Salut à tous, c'est H, bienvenue sur le stream, bienvenue à vous si vous rejoignez la chaîne H Ramalive, nous sommes encore ensemble aujourd'hui pour une partie de la journée, une bonne partie de la journée, puisque nous serons ensemble jusque 15h pour jouer une fois de plus à Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, la douleur fantôme. La douleur n'existe pas sur ce stream, sauf quand il m'arrive de buter sur un boss pendant 3h. Logiquement aujourd'hui ça devrait bien aller, salut à toi Swesty, qui est le premier à poster sur le chat ce matin. Sois le bienvenu sur le stream, dans un instant, on démarre. Je vous rappelle que ce soir, donc, il y a le grand retour de l'Ashrama Show, l'émission qui revient ce soir, à partir de 21h, où nous serons ensemble pour 1h30, 2h, ça va dépendre, avec un invité, et on va parler ce soir, justement, de Metal Gear. On va revenir sur toute la saga, on va faire le récapitulatif, la chronologie des épisodes, quels seront les épisodes marquants, pourquoi. On va pas spoiler le scénario, et puis bien évidemment, on reviendra sur Metal Gear Solid 5. Donc ça va pas être du gameplay, ça va être purement parlé, donc on va discuter entre nous. Je vais échanger avec le chat, mon invité va échanger également avec le chat. Et je pense que ça va être une bonne émission. Sachez également que dorénavant l'émission ne sera plus forcément hebdomadaire. J'ai préféré en fait faire ce nouveau système parce qu'il y a des jeudis où il n'y a pas forcément beaucoup d'actu, où j'ai pas grand chose à dire. Donc je préfère plutôt que de meubler pour rien du tout, faire des émissions vraiment quand c'est important. En revanche, donc les émissions seront plus riches puisqu'il y aura souvent des invités, il y aura souvent des thématiques. Donc voilà, j'espère que ça va vous convenir comme système. Il y aura encore du blind test, le retour du blind test avec des cadeaux à remporter. Tout ça donc dans les émissions du jeudi soir, première émission ce soir, 21h. J'espère que vous serez là, nombreux. Et on va directement basculer, on va pas perdre de temps, parce que le temps c'est de l'argent, non c'est pas de l'argent. On va directement basculer sur le stream, où en suis-je? C'est la question qu'on se pose, enfin c'est la question que je me pose. Donc au niveau de la Mother Base, dans 5 minutes j'aurai une nouvelle plateforme, la plateforme de développement base, et celle qui m'intéresse surtout dans l'immédiat, donc c'est celle-ci. Et j'ai dû utiliser pas mal de réserves de carburant pour construire les autres, donc maintenant mon objectif de la journée, entre guillemets, enfin je vais faire la mission principale bien évidemment, mais ça va être donc d'obtenir les 6000 réserves de carburant qu'il me manque pour enfin construire donc mon quatrième et dernier pont pour l'unité de combat qui va me permettre en fait de passer de 65 à 70 personnes. Il va également falloir que je fasse gaffe sur les missions principales parce qu'il y a eu un gros bug qui a été signé sur Konami, c'est aux missions 29 et 41. Donc j'y suis pas encore, je suis à la mission 20 seulement, mais 29 et 41, si on choisit Pain comme coéquipière, Quiet, comme coéquipière, ça fait bugger la sauvegarde, tout simplement, ça la corrompt. Et vu le temps que je viens de passer sur le jeu, j'ai pas envie que ça m'arrive. Elle est un peu ensanglantée, ouais, c'est une nouvelle skin, en fait, que j'ai obtenue pour elle. Tout simplement. Alors, je vais déployer, ça je vais le faire souvent pendant le stream. Alors, j'ai deux équipes, en fait, qui sont déployées en combat, donc vous voyez que maintenant, la difficulté des missions annexes augmente à chaque fois, puisque là, par exemple, j'ai une probabilité de succès de la mission de 71%, j'ai des pertes évaluées à 15%, par contre, c'est intéressant parce que je peux récupérer 450 000 PIM, je peux récupérer un plan du LPG-61, je sais pas ce que c'est, je peux récupérer 400 croissants d'or, je sais pas non plus à quoi ça sert, et je peux surtout récupérer des volontaires en A+, enfin, qui vont de A+, à E, et j'ai 75% de probabilité d'acquisition là-dedans. Et j'ai lancé également une autre mission parce que j'essaie toujours selon l'équipe d'en lancer deux en même temps. Là je vais juste pouvoir récupérer du métal précieux, voilà c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Malheureusement j'ai pas de réserve de carburant qui me sont proposées dans mes missions. Salut à toi Fulgator. Bienvenue sur le stream, t'es super à l'heure. Installe-toi tranquillement. Ouais il faut pas prendre Quiet. Alors j'essaierai de m'en souvenir logiquement, enfin j'espère atteindre la mission 29 aujourd'hui. Il serait quand même un peu de temps que j'avance puisque j'ai encore aujourd'hui, demain stream toute la journée, le week-end je ne stream pas. Encore lundi et mardi malheureusement je reprends le travail. Donc on va rebasculer sur des horaires plutôt stream before work. Salut à toi Dale. Sois le bienvenu mon ami, mon amour. Je t'embrasse très fort. C'est reparti. Mission 20. Sauver Shabani, le leader des garçons qui ont été forcés de travailler dans la mine. Il a été emmené à la zone industrielle de Noumba, l'endroit que les gens du coin appellent la descente du diable. On va faire cette mission. Il est où? Ngumba, ouais. Et le seul endroit où il peut me larguer, c'est là. Attends, Ngumba, c'est un peu à l'autre bout du monde. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Par contre, donc pour le coup, pour cette mission, je vais sélectionner mon chien. D-Dog.
comme équipement, il n'y a toujours pas grand chose. Comme équipement, j'ai un fusil d'assaut niveau 2, j'ai mon lance-roquette niveau 3, tout va bien, j'ai mon pistolet silencieux. Je vais essayer de m'en sortir, mission 20. Ça n'a pas été une partie de plaisir sur les derniers streams, notamment lundi, mardi, j'en ai beaucoup chié. C'est lundi que j'en ai chié, je crois, sur les Skulls. Sans spoil, encore une fois, si vous êtes là, c'est ou que vous êtes déjà arrivé au même niveau que moi, ou que le spoil ne vous dérange pas trop. Épisode 20 des voix. Voices! This is the voice! Avec en guest star, Nikos Yalagas. Je regarde toujours maintenant dans le générique qui y a. Il y avait Venom Snake, ça c'est ok. Benedict Miller, ça c'est ok. Quand je vois apparaître les Skulls, par contre, je fais. Rogue Coyote. Merci, Fula. Il y a Skullface et il y a The Man on Fire. Skullface, généralement, il apparaît ou avec un Metal Gear ou avec les Skulls. Là, apparemment, il va apparaître avec l'Homme de Feu. Alors, l'Homme de Feu, pour ceux qui ont fait le prologue, je pense que vous êtes tous dans le cas ici, c'est cette espèce de gros Némésis, pour ceux qui connaissent Resident Evil, qui est tout en feu. Bon, j'ai 1,6 km à faire à pied. C'est donc une mission scénarisée, j'imagine. Skullface, il me dérange pas trop parce que jusqu'à présent on ne combat pas. Par contre, l'homme de feu. Alors, dans le prologue, il n'y a qu'une seule façon de s'en débarrasser, et encore c'est provisoire. Vu qu'il est en feu, c'est de combattre avec l'eau. Donc, quand on est dans l'hôpital, à un moment donné, on tire sur les détecteurs d'incendie qui permettent de lancer un arrosage automatique, ce qui le fait disparaître. Là, vu que j'ai pas une capacité qui me permette de déclencher la pluie quand je veux, ça va être un peu compliqué. Alors, j'espère que c'est bien scripté et que la pluie va arriver toute seule, sinon je vais être dans la merde. Cette montagne, je la contourne par là. Unité de développement de base achevée. Ça va, j'ai déjà fait 600 mètres, j'ai quasiment fait la moitié. J'ai pas encore récupéré tous les points de largage en Afrique. Allez, come on! Elle est bien, ouais. Mais ça va, Snake! Quand il arrive pas à grimper juste en tirant au chat à la con, ça m'en rend dingue. When it gets in America, oh. Ah, il a repéré des trucs. Quand il y a trois petits points, il me semble que ce sont des animaux. Ah non, ça ressemble pas, si, ce sont des loups. Je vous emmerde, les loups. Hop. Ça, c'est... Je joue 6 heures par jour, entre 6 et 8 heures par jour. Je me demande comment vous faites pour être encore plus loin que moi dans le jeu. Ou alors c'est moi qui ai vraiment traîné, ce qui est pas impossible. Alors, ouh, on a du A+. We have A+. Je vais quand même ramper pour le véhicule, c'est mieux. Il ne reste plus que 800 mètres à faire. Encore une fois, le rythme risque d'être très lent. Ce
s'est arrêté où? Ah, il s'est arrêté là. Ouais, c'est pas faux. Mais Mad Max, je vais m'y remettre, hein, parce que vraiment, sans déconner, il est très très bien, Mad Max. J'ai juste quelques réserves sur le gameplay, j'en avais parlé pendant les streams, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai essayé de rentrer sur Mad Max. C'est dispo en replay sur YouTube, mais voilà, j'ai quelques réserves sur le button mapping. Voilà, ils ont choisi de drôles d'endroits pour mettre les boutons. Par exemple, tu n'as pas la visée sur la gâchette gauche, ce qui est comme habituel. Alors toi déjà, ton véhicule, tu peux lui dire adieu. Salut Octorok, bienvenue à toi. Non. Ça commence bien. Finalement, je crois que je vais pas me faire chier avec cet avant-poste. Ah oui, mais non, il y a des ressources à prendre là. Si, je vais me faire chier avec cet avant-poste. Je suis désolé. C'est quoi comme ressource? Pas du carburant, c'est du minerai. Ceci dit, les minéraux, ça reste toujours bon à prendre. Alors, est-ce que je suis capable de réussir le headshot de la mort d'ici? Ouais, j'en suis capable. Ah, ils sont côte à côte. Putain, ils sont tous rassemblés en fait. Une mission qui a été réussie. Je vais les endormir. Oh, ouais, il y a une mission ce soir, tout à fait. Thank you.
J'ai pas les ressources que j'aurais souhaité. Ouais, l'émission, donc, comme je le disais, Octorok, juste en commençant le stream, ce sera consacré justement à Metal Gear Solid, alors pas que le 5, toute la saga. Alors, y a qu'une seule façon de descendre les escaliers avec un mec, c'est celle-là. Alors, lui, je le fulton, parce qu'il est cool. Lui non plus. He's coming too. Roger that. C, B. Voilà. Aucun intérêt pour moi ceux-là. Donc c'est bon, je me casse. J'ai récupéré ce que je voulais récupérer. Il y a peut-être un truc dans la tente. Bilan de ce camp, un véhicule, un soldat en A, un document. Alors là, j'ai dû choper un schéma, mais lequel ? Dossier de renseignement. Picked up an intel file. Looks like a map to the objective area. Ah! Tell your iDroid. Ça c'est bon. Alors, par contre, donc je crois que en déploiement de combat, il y a une mission qui est terminée. L'autre, il me reste 34 minutes. Donc je vais rebalancer des gens. Alors, pour choper quoi? Du métal courant, pêche d'Afrique, digital. Rien qui me permette de choper du carburant. Putain, ça me casse les couilles. Bon, là, il y a 50 000 PIM à récupérer. Je déploie les gens là-dessus. Non, non, j'ai pas abandonné Mad Max, justement, comme je le disais. J'ai mis en parenthèse pour l'instant, mais je vais revenir dessus après. Logiquement, quand j'aurai fini MGS, alors j'espère le finir pour lundi ou plus tard, j'aurai un petit peu de temps, parce qu'après, il y aura que la sortie de Forza 6. Forza 6, je vais pas streamer des jours et des jours dessus, hein, parce que au bout d'un moment, c'est quand même assez répétitif, un jeu de bagnole. Et je pense que la prochaine grosse sortie, c'est octobre. Il y a Tomb Raider. Alors je sais plus si c'est octobre ou novembre. Mais il me semble que c'est ça la prochaine grosse sortie. Après il y aura Fallout 4. Donc voilà, j'aurai un peu plus de temps pour revenir sur Mad Max. Oh, putain, ça c'est chiant ça. Le pathfinding des fois est pas super classe. Got a guard post there. Security sure is tight. Ouais, I guess they don't want anyone poking around. Il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à son objectif, c'est ça qui est cool. Alors, en espérant que je puisse y accéder par ici, non. Je vais être obligé de faire le tour. La zone d'Afrique est beaucoup mieux construite. Il y a beaucoup plus de dénivelé. Beaucoup plus de possibilités d'approche. Alors lui, il a pas mal de talent, il a du A. Mais je vois pas de conteneur. Donc je vais continuer à tracer ma route jusqu'à l'objectif principal. Quoi qu'ils sont que deux, j'aurais pu m'en débarrasser relativement facilement, mais on va pas perdre du temps. Donc si je mets 2 heures sur chaque mission principale, sachant que l'un 50, je suis pas prêt d'avoir fini le jeu. Déjà je trouve qu'il a une durée de vie absolument hallucinante. Alors certes, je me suis un peu dispersé, j'ai fait beaucoup de quêtes secondaires parce que bizarrement finalement... Ouais, bizarrement la partie que je préfère dans le jeu c'est la Mother Base, c'est toute la partie stratégie, gestion. Donc j'ai passé énormément de temps là-dessus pour essayer d'agrandir ma base, pour essayer de récupérer une équipe vraiment sympa. Et voilà, et finalement je prends beaucoup plus de plaisir sur la Mother Base et tout ce qui tourne autour que sur le jeu en tant que tel, l'infiltration, blablabla, tout ça. The bridge has collapsed.
Looks like you'll have to go down through the valley. Comme c'est pratique. Ouais, si je sais que je suis mort. Oh, encore que. Extraction arrived at mother base. Ah non! Il y a les animaux avec des ennemis, c'est-à-dire si je me fais repérer par les chiens, par le chien, je vais être mal parce que ça risque d'attirer les ennemis. Ouais, après je joue mal aussi, ça doit certainement jouer. D'analyse pour lui. Analysis complete. Là j'ai pas le choix, je pense même pas pouvoir contourner par là, je vais essayer. Après encore une fois, il a une super ambiance. Moi je regrette clairement pas mon achat. C'est vraiment l'une des révélations de l'année. Après, ce qui va m'intéresser aussi, c'est quand on va voir débarquer tous les speedruns, tous les mecs par exemple qui vont réussir le jeu dans des conditions époustouflantes, genre n'utiliser que le flingue qui endort, ce genre de choses. J'espère que je vais arriver à passer furtivement. Je suis quand même vachement proche, et puis il y en a partout. Il y en a un qui n'est qu'à 25 mètres, même pas 24 mètres de moi. Là, si je monte, je suis repéré. Je vais essayer comme ça. Ah, ne te redresse pas, connard. Vous le ressentez pas forcément, mais j'ai une putain de tension là tout d'un coup. Parce que je suis quand même en train de ramper dans la flotte à 15 mètres d'un soldat qui ne me voit pas heureusement. Mais c'est bizarre parce que d'habitude ils sont beaucoup plus dégourdis que ça. Ceci dit, si je dois repasser dans l'autre sens après, j'aurais peut-être effectivement dû nettoyer les camps. Parce que si je dois fuir en catastrophe, là je vais me manger une tonne d'ennemis. Ouais, je vais me faire sauter de la cascade, j'ai pas le choix. Ok. Snake. Eh, je pensais qu'il y avait moyen de sauter dans l'eau, sans déconner. Un petit plongeon de la mort, bon. Tout ce que je viens de faire, faut que je me le retape. Super. Super, je suis heureux. Je sais pas, je pouvais y croire. Oh.
Désolé pour ce nouveau passage. Donc ce n'est pas par la cascade. Ah oui, je vois un chemin là qui monte. Oh putain, ils sont partout! Un exploit pour faire toute la mission en rampant, je sais pas. Alors, je sais même pas si. Techniquement, j'ai pas commencé la mission puisque j'ai même pas atteint mon. Ma destination. Merde, l'autre a un casque. Oh, c'était un leurre! Excellent! Excellent, je me suis fait avoir! C'était juste un putain de leurre! Ah, c'est comme quoi Kojima. Kojima arrive encore à me surprendre, je m'y attendais pas du tout. Attends, j'ai des choses à récupérer. That's a cliff, Snake. On dirait que je suis arrivé à l'entrée de la grotte. Ah, si je me fais repérer maintenant, je pleure. Sérieux.
Encore une fois, le... Je disais donc encore une fois, gros défaut du jeu, c'est qu'il manque, il manque des checkpoints. Cool. Déploiement de combat. Je check juste un truc là-dedans. 19 minutes, il me reste. Ouais, j'ai que des missions maintenant à 20 000 pim, c'est pas très intéressant. Mother base. Un animal, quand c'est en vert, je crois que c'est un animal ami. A priori, il n'y a pas d'ennemis dans cette zone. En tout cas, mon D-Dog n'en a pas trouvé. Gentil chacha. Ça ressemble à un carton. Oh, il y a une souris dans le carton. Good. Good dog. Good. Good dog. Allez hop. J'ai la souris. Oh, il fultonne pas les souris, ce mec. Donc, je me demande s'il les bouffe. Ça me semble limite trop désert, il va se passer un truc, je sais pas pourquoi. C'est vraiment chelou. Ce qu'il y a, c'est que je vais prévoir... je vais couvrir mes arrières. Ouh, je peux tomber là-dedans, j'imagine. Placer du C4 ici. Je saurai si, que si des ennemis passent à proximité, je peux faire péter. Sans déconner, ça me semble beaucoup trop calme. Je suis sûr qu'il y a Fulgator qui est en train de... qui est en train de jubiler. Il fait hé hé, moi je sais ce qui va se passer. Ash, il va sursauter sa mère. Ouais, c'est exactement ça, c'est forcément trop calme. Je suis arrivé sur la zone de mission, il n'y a pas un ennemi, il n'y a rien, je suis en train de me relâcher. Et au moment où je vais me relâcher le plus, BAM! T'es un petit malinois. Skullface dans ma gueule. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Wow, il y en a des boyaux par terre, bordel de merde.
J'aime pas ça parce que vu que j'ai aucun sens d'orientation, je vais galérer pour ressortir et je sens que je vais devoir fuir. Manifestement, il est mal en point. Ça va. On va dire que ça ressemble à une trachéite. Non. Qu'est-ce que c'est que cette merde? On lui fait écouter la radio par la trachée. Comment il peut ressentir quelque chose avec des doigts métalliques? Kojima, tu nous as pas habitué à faire du gore comme ça. Ah, c'est immonde, putain, il a été loin là. What? Il est très surprenant le jeu. Il est très très surprenant. Vraiment, il a été loin, dans tous les sens du terme. Je suis en train de murmurer comme si il allait m'entendre. C'est la Wii, je crois, qu'il fait ça, qui a un micro et qui est capable d'entendre quand tu parles ou quand tu... Non, c'était la DS. Et là, pour le coup, s'il y avait eu un micro et que j'avais fait du bruit... Je me tais pendant la cinématique, hein, vous m'excusez. Oh!
him again. You can't let him catch you, boss. Get out of there. Boss, I'll have the chopper to himself. Take cover, boss. He spotted you. He's coming. Bon, mais je crois que les... Je crois que le C4 que j'ai placé ne me servira à rien du tout. Comment tu veux que je le stoppe ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il est où ? Et je fais quoi ? Oui, ça je suis d'accord, et alors ? Vieux réservoir, mais j'ai pas vu d'eau. Si, y a de l'eau. Je peux faire exploser le truc quand il sera à côté de moi. Ah non, là aussi y en a un. Je crois qu'en fait c'est ça que je devais lui balancer sur la gueule. Je crois que j'ai raté la seule occasion que j'avais de... Ah non, il y en a un deuxième ici. Ah, c'est à moi d'appeler l'hélico. Ok. Ok. Et là, je vois plus très bien comment je peux l'arrêter. Allez, 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 allez.
sais pas où il est, mais je m'en fous, je mitraille. Boss, come in. Boss. Bon, j'ai pas dû faire les choses comme il fallait. Là, il est marqué. This is your chance. He's lost sight of you. See anything nearby you could use to stop him? I'll send the chopper. Shoot down the chopper from the plans now. Quick, now's the time to get on the chopper. Okay, okay. Okay, okay. Il est toujours étourdi. Oh, oh putain. Damn, what is this guy? Non 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 non. Oh putain. Oh putain. Mission complete. Great work. Ah, mon niveau 10 horse a augmenté. Non, 10 dog a augmenté. C'est quoi? Maintenant, on va falloir que je fasse augmenter. Bientôt, je vais être à fond avec 10 dog. C'est bon, ça. Putain, c'était bien stressant comme il faut. Le timing était... il était très, très délicat, quand même. En fait, t'as vraiment très peu de chance. Parce qu'il est étourdi, mais pas longtemps du tout. What the hell was going on at the devil's house? Earphones embedded in people's throats, tapes playing voices. And those lumps on their chests. They looked like the ones on the bodies at the oil field. The man on fire burned everything to the ground. But we were recording audio the whole time you were there. We'll conduct a thorough analysis of it. Wow. Putain. Excellente mission, effectivement. Alors j'ai quand même récupéré un soldat d'élite en A+, c'est celui que j'ai capturé tout à l'heure qui était dans la tour. Ce fut intense. Ce fut très intense. Ouh, j'ai récupéré beaucoup de soldats très très intéressants. Plus votre héroïsme est haut, plus... Ah, ça sert à ça l'héroïsme. Ça permet d'attirer des volontaires pour la mise privée, d'accord. J'avais même pas capté en fait. Excellente mission. Un petit passage par la Mother Base. Ce fut une putain de mission, très très intense. C'est la deuxième fois que j'ai un passage qui réussit quasiment à me décrocher la mâchoire. Et je dois avouer que même si le scénario est beaucoup plus décousu, les phases scénarisées et un peu scriptées, parce que finalement c'était assez scripté, sont vraiment très très intéressantes dans ce MGS5. Donc voilà, tout n'est pas acheté, Octorok. Malgré le fait que ce soit un pseudo open world.
même jusque dans les cutscenes. Il y a mon emblème qui est affiché en fait sur la mesure B, c'est super bien foutu parce que tu crées toi-même aussi ton emblème, ton écusson. Son briquet magique pour fumer un cigare électronique. Il est complètement taré, Kojima. Ah non, la partie histoire est clairement excellente. My hunch is that this guy is somehow connected to Cypher. I've got no proof, but we know Skullface is working through PFs in the region. Anyway, it just so happens a job connected to this inspection has come in. Take a look at your iDroid. Oh, on est d'accord, il y a certaines longueurs dans le jeu qui effectivement font perdre un peu le fil sur le scénario. Là-dessus, je pourrais pas te contredire. J'ai refait un déploiement de combat. Dans 4 minutes, j'ai repris le port. Au niveau de ma mother base. Ah. Je vais pas construire ça, je vais d'abord essayer de construire celle-là à fond. Parce que la R&D, ça va me coûter quoi? Ça va me coûter beaucoup de réserves de carburant. Allez, plus que 2000 réserves de carburant et c'est bon. Je vais rappeler l'hélicoptère. Rendez-vous. Roger. Et on est reparti sur une mission principale. Boss. Je vais juste jeter un coup d'œil sur mon personnel. Savoir si dans la salle d'attente, j'ai pas des fauteurs de troubles. Parce que les fauteurs de troubles, il faut les dégager. Surtout quand ça concerne l'hygiène, parce qu'ils peuvent contaminer tout le reste de la base. Voilà, à ce niveau-là, c'est vraiment bien foutu, ils ont vraiment été loin. Match, ouais, a priori c'est bon. Donc je vais faire une réaffectation rapide, automatique. And here we go again. Gaining altitude. D-Dog. J'ai toujours pas récupéré son armure, mais il faut quoi? Il faut un spécialiste électrophilage. Alors je sais pas où on le récupère ce spécialiste. Spécialiste électrophilage. Spécialiste électrophilage. C'est peut-être une mission secondaire, je vais jeter un coup d'œil parce que ce sera intéressant pour le coup de récupérer ça, parce que ça permet en fait de donner un mur au chien donc pour qu'il soit plus résistant. Et ça permet également de lui commander des assassinats silencieux. Et ça, c'est vachement pratique, parce que pour l'instant, tout ce qu'il peut faire, D-Dog, c'est faire diversion, c'est-à-dire aboyer pour attirer les ennemis. Et donc c'est très terrible. Donc mission secondaire. Ah, je savais pas, Fulgator. Merci pour la précision. On est du quoi, spécialiste du Fulb, je sais plus. Ah non, mais on ne dit pas les récompenses que je vais avoir. Déminage. J'ai un fourré extrait seulement. Il paraît qu'il est hautement qualifié. Bla 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 bla. De toute façon, les importantes sont là. J'ai fait les importantes. Donc je vais faire comme je voulais. Je vais repartir sur une principale. La 21, c'est pas la 21 hein, qu'il faut que je fasse avec White. Je revérifie, j'ouvre mon navigateur. Non, c'est bien la 29 et 42. Autant dire, je suis pas encore. Éliminer le représentant des FAC stationné à l'aérodrome de Nova Braga. Il doit mener une inspection avec un trafiquant d'armes en visite, alors attendez-vous à une sécurité renforcée. Ouais, je vais y aller avec D-Dog. D-Dog est mon ennemi. Par contre, alors j'espère pas que, parce qu'il doit me rester grosso modo une trentaine de missions, j'espère pas qu'elles se déroulent toutes en Afrique. J'espère quand même qu'on va revenir en Afghanistan, parce que je préférais nettement l'Afghanistan. Il y a aussi un deuxième truc que je reproche, alors s'il y a beaucoup de postes d'avant-garde, machin et tout, finalement, il n'y a pas tant de bases que ça sur une map. Hein. On peut le voir là en Afrique, il y a 5-6 bases et tout, donc t'as des cartes qui sont assez immenses, mais où finalement il n'y a pas grand-chose dessus. Et c'est peut-être également un reproche qu'on peut faire au jeu.
Donc voilà, le jeu, pas exemple de reproche. Il y a beaucoup qui crient au GOTY, c'est pas le GOTY, c'est pas un jeu parfait. Mais ça reste comme l'un des tout meilleurs MGS fait par Tsushima. Meilleur que le 4. Même s'il est différent, le 4 il y avait toujours cette espèce. Je regarde comme qui est au générique. Pas les scouts. Walker Gear. Un hélicoptère d'attaque. Ouais. Je vais quand même être bien emmerdé sur cette mission, a priori. Par contre, là, ce qu'il y a de bien. Ah, mais j'ai déjà fait celui-là. C'est là où j'avais vu les Skulls, cet aéroport. Logiquement, j'ai coupé tout leur système de communication. Si la base n'est pas rebootée à chaque fois que tu fais une mission, logiquement, j'ai tout détruit. Donc, il faudrait pas trop me casser les pattes. Ah! Ils ont repris le port. Ça, c'est intéressant, je vais pouvoir redéployer. Metal mineur. Il n'y a pas de spécialiste. Hein? The enemy is over on one of our platforms, and they're holding some of our staff hostage. If we don't do something, they'll try to take off with our men. That would mean losing some of our finest manpower. Boss, take back that platform. This is a race against time. For all of us. Get on this. Ah putain! J'avais jamais vu ça. Une mission d'urgence, j'étais pas au courant. Donc bon, j'abandonne la mission. Il faut que je revienne en urgence sur la Mother Base parce qu'elle est attaquée. L'équipement me convient. Ah, je peux choisir quelqu'un d'autre que Snake, ça, c'est intéressant. Enfin, il y a du A++ partout, donc a priori, j'ai personne. Tenue de combat, la tenue d'infiltration. Non. Tenue de combat, tenue d'infiltration standard, entièrement renforcée avec plaque de céramique, pour faire une protection de combat résistante, augmente, blablabla. Ouais, je vais sélectionner celle-là. Et option de tête. Non, j'ai rien. Allons-y, reprendre la plateforme. Bonne chance aussi. Ah, tu me fais peur, t'es en train de me faire peur. Non, parce que t'es en train de me dire que, grosso modo, ils peuvent capturer tous les hommes que je me suis cassé le cul à recruter. Retake the platform. Voilà, ça c'est assez original dans le déroulement, une mission d'urgence qui pop comme ça. Alors j'étais à la 21, donc j'ai la 22 qui apparaît directement, donc tant mieux, ça va me faire deux missions. Infiltrate the platform under enemy control and eliminate their commander. The moment they lose their chain of command, we'll move in and suppress the rest. The enemy have taken some of our staff hostage and are threatening to kill them if they're attacked. You can't rely on support from us this time. Anything we do might be seen as an attack. Boss, forgive me. Can't believe I let an enemy force in right under my nose. Ouais, t'es un peu con. One thing's for sure. They're gonna pay for it. Make certain of that, boss. Ah, je me casse le cul. Et en plus, j'ai même pas d'idog, enfin j'ai rien du tout. Hein. Ça a fait du slip. J'ai plus accès à rien. Je dois m'infiltrer dans ma propre base. Sans mon chien, autant dire que ça va être compliqué. Oh!
Subject on board. Leave the rest to us. What? Putain, puis ils sont pas deux en plus, hein. Wow. Non, je suis pas vite boîte de texture. You gotta extract him. Tant qu'à faire, autant que je reprenne des soldats. Par contre, je vais pas pouvoir me faire larguer des missions, etc. On est d'accord. Merde. C'est qui? Ils sont partout. Pas du tout où je dois aller là. J'ai bien compris que je devais buter le chef. Par contre, nous... Autant que
que je sois sûr de qui c'est quand je le vois. Elle est chaude comme cette mission parce que là, ça déconne plus. Hein. Ok. Bye bye. Oh non, la mission a été annulée, putain, je merde. Tout ça parce que j'ai voulu extraire le mec. Si je lui avais mis une balle dans la tête, c'était fait. Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis super dégoûté. Putain, ça me fait chier. Putain, ça me fait chier. J'ai préféré l'endormir pour la jouer furtif. Eliminate the high-ranking CFA official in charge of supplying weapons to UNITA. The target stays at Nova Braga Airport. Enter the airport first. Du coup, donc c'est quoi les conséquences ? Putain! C'est quoi les conséquences? J'imagine j'ai perdu plein de personnel. Il n'y a pas de conséquences, t'es sûr? Bon, il y a sûrement un trophée que j'ai manqué ou des choses comme ça. Wow. Oh, il y a forcément des conséquences, c'était une mission d'urgence. En plus, alors est-ce que je peux la refaire ou pas? Mission, non, j'ai pas accès à la mise de mission maintenant. Si ça se trouve, elle a disparu. Je pourrais plus jamais faire la 22, donc je vais avoir un trou. Je vais avoir un trou dans mes missions. Ça fait chier. Ah, je peux la refaire. Bon, bah, ça va alors. Bon, je vais essayer de penser à autre chose. Je suis dégoûté. Je suis vraiment dégoûté. Ouais, faut que je la refasse. J'aurais dû lui coller une balle dans la tête, je sais pas pourquoi j'ai voulu le capturer. En fait, je me rends compte que dans ce jeu, je mets tellement un point d'honneur à vouloir capturer tout le monde que finalement ça me dessert plus souvent qu'autre chose. Parce que des fois, une bonne balle dans la tête, la mission est finie. Oh, recule. Il a klaxonné sur mon chien. Great, you made it.
I've sent the information to your map screen. That's the target's predicted location. Check all around the target and plan carefully before moving in. The chopper will be arriving any minute. Watch out. Trajet de la cible. Je vais faire comme d'hab, je vais contourner. There's a chopper landing. It must be carrying the arms dealer. Keep your eyes on him. Our intel suggests the target will leave the country with the arms dealer after the inspection. Take him out before that happens. En fait, je pourrais très bien le descendre dès maintenant. D'ailleurs, c'est ce que je vais tenter de faire. Voilà. J'ai pas réussi la mission là. Logiquement, je viens de buter le trafiquant. J'ai même pas envie de perdre du temps sur celle-là. Va me prendre la tête. Ouah, à côté. Ah. Vas-y, bombarde! L'inspection suit ce trajet. Quel trajet? Ok, c'est bon. You gotta extract him. Sur un malentendu, il va le tuer. Droid.
faudrait que j'essaie de capturer un walker, ça pourrait être sympa aussi. Un D-Walker. À part j'en fous tonnant, j'en ai déjà un, ouais, ça va pas me servir à grand chose en fait. Vous avez vu quand je fais cette mission pour un, ça c'est parce que je suis énervé pour l'autre. Moi, ça bourrin, bourrin, bourrin. Détruis-moi tout le monde, s'il te plaît. Oh, oh. Cette fois-ci, je vais le tuer. On m'a demandé de tuer, je vais le tuer. J'ai pas fait du grand jeu là. C'est pas grave. Elle m'a dégoûté la mission 22. J'avais tout fini. J'étais repéré comme un gros blaireau. Génocide. Magnifique, c'est pas le mot. Hein. Je fais n'importe quoi. Mais j'avais pas envie de perdre de temps avec cette mission. Alors qu'il fallait juste buter un mec et qu'encore une fois, quand tu te casses le cul à essayer d'endormir, à essayer de faire ça bien, finalement, comme aucun mérite. Je pense que la mission aurait dû être marquée comme, comme réussite. Comme réussite, pardon, à partir du moment où voilà, j'avais endormi le mec. What? Et voilà. This is B-Quad. No targets remaining. Ending attack run and we'll stand by at LZ. Je vais refaire la 22 dans un instant. Enfin, si y a moyen de la refaire, comme tu m'as dit. This is B-Quad. Have arrived at LZ. We'll stand by. Juste après une petite pause. Ah tiens, il y a un truc qui a plus donné là, apparemment. Il manquait le tan 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 tan. Dans ce temps-là, par contre, je récupère pas de ressources. Là, de toute façon, j'ai tout vidé, il n'y a plus de conteneur, il n'y a plus rien au niveau de cet aérodrome. Tintin, tintin.
c'était pas la mission la plus passionnante que j'ai faite, hein, on est d'accord. Surtout par rapport à celle qu'il y a juste avant, qui est comme une petite tuerie. Là, je pense que je vais avoir un niveau assez lamentable. Je pense que je vais avoir du dé. Fonction ajoutée quoi, des paillettes. Mission complete, boss. Ah, du B quand même. Du B. Ce qui me rapporte, bah quand même 114 000 pim. Au moins je suis en positif. Le fait d'appeler un hélicoptère ne m'a pas forcément desservi. Oui, oui, je sais que normalement elle se fait différemment, mais voilà. J'en suis arrivé à un point où il serait temps que je progresse un peu dans l'histoire et que j'arrête d'essayer de capturer tout le monde. Finalement, ça ne sert pas à grand chose, puisque ça aura pas empêché ma base de se faire attaquer. Bon, après, c'est scénarisé, je suis d'accord. We've begun development on that new battle gear weapon that Emmerich was talking about. If you want to see how development's going, come take a look for yourself. Oh, mais j'y compte bien. Oh, des fois, quand il s'agit juste de buter un mec, j'aime bien déchaîner la fureur. Masterpiece. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ah oui, il ressemble fortement à celui qu'on trouve dans Metal Gear Solid 3. Et pour cause, ça se passe après. Non, avant. Avant ou après? Ça se passe après MGS3, hein, celui-là. Ouais. C'est celui qui fait la jonction entre MGS3 et MGS1. I love Didi. Je veux ce mug. Diamond Dogs. Avec le petit cercle de café du mug sur la feuille, c'est, y a un souci du détail quand même dans ce jeu qui est assez... assez excellent. C'est bien foutu. Clairement, je peux pas dire le contraire. Je suis censé faire quoi là? Aller voir Emmerich. Je suis sorti comme un con. what the fuck? Thank you, boss. Thanks for that, boss. J'ai des récompenses logiquement à prendre. Ouais. Accès. On s'en fout des gens recrutés. Alors, déploiement de combat. Détruire la centrifugeuse. Ah, forcément, je vais prendre une mission à 100 000. Il n'y a pas de raison. Et je déploie gentiment. Hélicoptère. Rendez-vous. Roger. Good dog. Ah, good dog. This is me, boss. Arriving shortly at LZ. Good dog. Good dog. Good dog. This is Pequod. On station at LZ. Non. Je vais pas endormir le toutou, ça va faire baisser mon niveau, parce qu'il y a un niveau d'affinité en fait entre chaque personnage. Donc le niveau jusqu'à présent avec mon toutou, il est pas mal, il va falloir que j'essaie d'augmenter aussi le niveau avec White. Il y a peut-être moyen de vivre une romance. Qui sait? Une romance avec White. Oh, il y avait un truc que je pouvais récupérer, il me semble ça brillait.
Je vais retenter la 22. C'est dommage, j'étais super bien parti. Bonsoir, Time. Comment vas-tu? Ça va bien. Tu arrives pour la pause? Mais c'est pas grave. Mother Base. Ouais, je peux la refaire la 22. Et je vais sélectionner cet endroit comme point de chute. Mais, et attention, là c'est le... Non. Avec White, pas avec le chien. Non. Pas avec le chien. Ouh, la tatrape de Romy. Ouh, ça s'annonce mal. Et là, je reprends ma voix de forain. Bienvenue dans la caverne d'Ashrama. Vous êtes bien sur la chaîne où il y a beaucoup de fails, où il y a beaucoup de rage des fois quand ça craint avec MGS. On va marquer une première pause. Et une première pause. Dans ce stream. Et on verra dans un instant pour retenter une deuxième fois la mission 22 que j'avais réussi avec Brio. Je sais que j'ai pas inventé, mais j'avais vraiment réussi avec Brio celle-là. J'avais même capturé le chef des rebelles. Et bien malheureusement, j'ai été repéré, j'ai été turbo-violi. J'aurais dû le mal à ma tête et c'est ce que je vais faire dans un instant. D'ici 5 minutes. Merci d'être sur la chaîne, merci d'être en ma compagnie pour cette journée MGS5. Nous retournons à l'instant.